Vous le savez, nous sommes aujourd'hui à 72 heures de l'ouverture de la campagne électorale pour la présidentielle. Ce matin, le ministre en charge de l'administration territoriale a symboliquement remis des chèques représentant la subvention de l'État. Voyons cela avec Yacouba Gamene et Draman Dadian. Beaucoup de courage et bonne campagne d'élection. Ce geste, ce vœu symbolique. En présence des représentants des partis, formations politiques et regroupements d'indépendants, le MPP et le parent reçoivent chacun un chèque de 25 millions de francs CFA. Les 12 autres candidats en liste pour la présidentielle de 2015 en recevront autant. Nous apprécions cet effort du gouvernement dans une période difficile, même si chacun de nous peut comprendre qu'avec 25 millions, on ne peut pas dire qu'on est à l'aise pour battre la campagne. Lorsque on donne une subvention symbolique, c'est pour que les uns et les autres comprennent que la bataille électorale n'est pas une bataille financière. C'est ce message fort que nous retenons de cette somme symbolique qui a été remise aujourd'hui. Les partis politiques ont une mission de service public, explique le ministre Youssouf Ouattara. C'est pourquoi le gouvernement a décidé de porter sa subvention d'1 milliard à 1 milliard 300 de nos francs, malgré la santé financière fragile du Burkina. Il faut comprendre que organiser des élections dans une situation économique et financière difficile pour l'État est un défi à relever. L'État doit relever les défis. Nous demandons aussi aux acteurs politiques de relever le défi. Défi qui est celui d'une campagne apaisée et d'un double scrutin présidentiel et législatif réussi au soir du 29 novembre prochain.